Voilà, ici donc je vais faire une vidéo qui va parler de ce qu'on appelle la matrice unité. La matrice unité. Bon, dans le mot matrice, il y a le mot matrice. Dans le mot matrice unité, dans le mot décomposé, il y a le mot matrice et unité. Je m'excuse. Avant de parler de matrice unité, il faut savoir que la plupart du temps, quand on fait des opérations, les quatre opérations qu'on connaît le plus généralement, c'est plus, moins, fois, divisé, eh bien, sont considérées comme quatre opérations distinctes. Voilà. On sépare bien les opérateurs en disant, bon, le 1 plus, mais ça a à voir avec l'opération qu'on va faire. D'addition, le moins l'opération qu'on va appeler la soustraction, la croix ici, c'est puisque il y a deux croix ici, hein, ouais, croix de Saint-André et Saint-Georges, bon, c'est pas la même croix, enfin bref, ici, voilà, on va faire la multiplication et la division. Donc, généralement, les ordinateurs, les machines à calculer distinguent ces quatre opérateurs. Voilà, quoique l'ordinateur, pour faire ces additions, je vous ai toujours dit que bon, pour faire une soustraction, il va faire par la méthode de complément par rapport à l'addition. Pour faire une multiplication, mais il va faire une boucle sur l'addition. Pour faire une soustraction, mais sachant faire une addition, une soustraction ou une multiplication, il sait faire une division. Voilà, donc il est simple pour l'ordinateur de faire ces opérations-là. Mais en mathématiques, bon, on distingue vraiment les deux lois. Il n'y a que deux lois. Loi plus et fois. Pourquoi? Parce que ben, le moins, c'est additionner l'opposé, et le divisé, c'est multiplier par l'inverse. Donc, la multiplication ne connaît que ces deux lois. Elle ne va pas distinguer plus, moins, fois, divisé, comme le font les ordinateurs ou les opérateurs ou les gens en général, qui distinguent quatre opérations. Alors qu'en vérité, le moins, c'est un plus. C'est un plus, mais on additionne l'opposé. Il n'y a que deux opérations, plus et fois. Quand on divise, mais on fait un fois, mais fois, on multiplie par l'inverse. Bon. Donc, mais on a deux opérateurs. Généralement, en mathématiques, on aime bien généraliser. On n'aime pas de parler de choses particulières, mais parce que le plus et le fois sont des opérateurs particuliers. Généralement, on joue avec des lois star et la loi T inverse. Bon, ça c'est T. Pourquoi T inverse? Parce que c'était un T. Bon, on l'a inversé, c'est un voilà, T inverse. Voilà, c'est un T inversé. Et là, c'est une loi. Et star, pourquoi star? Parce que ça ressemblait à une étoile. Voilà, donc la loi étoile et la loi T inverse. T inversé. Alors, ici, on a bien deux opérateurs dans lesquels va agir quoi? Ben, des ensembles de nombres. On va faire agir des ensembles de nombres sur ces deux opérateurs. Bon, ces ensembles d'opérateurs, ben, ces ensembles de nombres, vous les connaissez. Il y a Z, on peut avoir Z, on peut avoir R. On peut avoir n, on peut avoir r plus, sauf 0, voilà, et tralala, tralala, bon, voilà, que je peux noter comme ceci, r plus 0, voilà, et on peut avoir les nombres complexes, et tralala, tralala, je peux même mettre voilà, je peux jouer avec des opérateurs qui sont des lapins, des dessins, bon, pourquoi pas, voilà. Tout ça pour vous dire que on va jouer avec des ensembles, et sur ces ensembles, on va faire agir des opérateurs. Bon, ce qui veut dire que les opérateurs doivent obéir à des lois. Ouais, ça va pas, ça, c'est pas n'importe quoi qui. Quand vous allez faire agir un opérateur, voilà, je vais prendre voilà, un petit bonhomme noir et un petit bonhomme rouge. Si je fais agir l'opérateur, un opérateur, par exemple, qui me donne un bonhomme vert. Bon, c'est pas que vous allez prendre un noir et un rouge et à un moment donné, il va me donner du bleu. Hein. Bon, parce que ça voudrait dire qu'il répond à du n'importe quoi. Voilà. Ça doit donner. Voilà. Vous faites une opération, ça va donner un seul résultat. Voilà. Ça doit donner qu'un seul résultat. Et pas 36, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Voilà. Les mathématiques, c'est comme ça. Soit il vous donne un résultat ou pas de résultat du tout. Voilà. Soit il vous sort un résultat ou pas de résultat du tout. Les mathématiques, c'est clair et net. Ça joue sur quelque chose d'unique, de précis et de connu. Connu pour tout le monde, au travers des lois mathématiques. Et donc, les lois mathématiques, ce sont les structures algébriques. Ça veut dire que quand vous allez faire agir des valeurs
par rapport à un opérateur, ben, vous n'avez qu'une seule sortie possible. Vous en rentrez des éléments et vous en donnez qu'une seule, et pas 50 000. Voilà, donc déjà, et pour répondre à ça, il faut qu'on ait des structures qui vont algébriques, qui doivent être définies en tant que loi mathématique, où on va retrouver l'associativité, la commutativité, le neutre, attention, pour chacune des lois. Hein. Pour chacune des lois, chacun aura son neutre. Hein. Le neutre pour la loi Star n'est pas le neutre pour la loi de là. Et quand on va mélanger ces deux lois, il y a moyen de mélanger ces deux lois, ça donne des résultats bien précis. Donc, l'associativité, la commutativité, le neutre, voilà, s'il y a un absorbant, s'il y a... Voilà, et on définit tout ça. Dans les structures algébriques, on définit tout ça. Bon. Donc, on va jouer avec des ensembles de valeurs et on va jouer avec des opérateurs. Mais, quels sont les... Et ça va donner, je veux dire, des dénominations, je veux dire, des dénominations spécifiques en structure algébrique. Voilà. Par exemple, si je vous prends les matrices. Mais les matrices, on écrit ceci, une matrice, par exemple, A ronde, mais c'est un tableau de valeurs qui contient, par exemple, M lignes et N colonnes. Voilà. C'est un tableau de valeurs. Vous pouvez mettre des valeurs, vous pouvez mettre même des dessins, des petits lapins, des petits lapins dans, voilà, en tant que dessin dans le tableau, pourquoi pas. Bon, et faire subir un opérateur sur des dessins, pourquoi pas. De toute façon, quand on regarde bien, ceci, le 1, c'est un dessin, hein, tous les dessins, je vous l'avais déjà dit une fois, hein, quand vous écrivez, c'est du dessin. Hein. Voilà, donc une valeur est représentée par un dessin. C'est un symbole qui est, voilà, 1, le 2. Pourquoi 1 comme ceci? Parce qu'il y a un angle. 2, c'était 2 angles. 3, c'était 3 angles, et ainsi de suite. 4, c'était 4 angles. Donc, voilà, on a décidé de représenter les valeurs par des angles. Voilà, c'est pour ça qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusque 9. 9, c'était 9 angles. 8, c'était 8 angles. 8 angles. Si je fais par exemple ça, ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà la valeur 8. Le 7 c'était quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, peut-être comme ceci, 7, là on a 7. Voilà, et ainsi de suite. Bon, 1 angle, 2 angles, voilà, et c'est comme ça qu'on a fait une association dessin et valeur. Voilà, donc je veux dire, à la base, ce qu'on rentre quelque part, ce sont des dessins qui sont en fait des valeurs. Qui représente des valeurs, bon, 1, on sait bien que c'est 1, une unité, mais si j'écris ceci, c'est un dessin qui représente 2 unités, donc c'est ce qu'on rend dans un tableau, c'est, dans une matrice, ce sont des dessins, ouais, qui représentent des valeurs, qui représentent des valeurs, voilà. Bon, et alors on peut dessiner ce qu'on veut dans les matrices, hein, voilà. Alors, dire qu'on a une matrice A qui se nomme A avec M lignes et N colonnes, voilà, c'est dire qu'on a un tableau de valeurs avec M lignes, première ligne, voilà, on a 2, on va mettre 2 par exemple, on va mettre 3, je peux mettre un A ici, pourquoi pas, voilà, je peux mettre un C, D, voilà, 5, voilà, voilà, et là ça voudrait dire qu'on a M lignes et N colonnes. N colonne, voilà. J'ai M ligne et N colonne. Bon, mais là, ce n'est pas la question. C'est pas ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est un tableau de valeurs. Un tableau de valeurs, en général, on va jouer avec des tableaux de valeurs pour associer des opérateurs multiplication, de division, d'addition, de soustraction sur les matrices. Bon, alors les matrices font partie aussi des structures, je veux dire, des structures algébriques. Et on va... Puisqu'en fait, on fait des opérations à travers des opérateurs, ben, il existe des lois pour ces structures algébriques. Et donc, pour les matrices, elles vont répondre à certains critères, certaines lois préétablies, bien sûr, etc. Alors, quand on dit que A appartient généralement à ce qu'on appelle KM fois N. Alors, je suis pas obligé d'écrire MN parce que, en fait, si j'écris ça comme ceci, ben, on voit bien que MN est déjà repris ici. Parce que ça veut dire deux. Ces deux choses, c'est dire la même chose. Hein. Voilà, on sait bien que là, c'est une structure, un tableau de valeurs sur M fois N. Alors, qu'est-ce que c'est que AK M fois N? C'est un espace vectoriel. Ça, je définirai les espaces vectoriels quand je les verrai en son temps. Mais K M fois N est un espace vectoriel sur le champ K. Ouais, généralement, K, le champ, ce sont les nombres réels. Ça veut dire qu'on va mettre des réels dans un tableau. Si je mettais RMN, ben ça veut dire que ce sont des valeurs réelles qui sont dans le tableau. Voilà.
Il y a M ligne, il y a M fois N contenu dans le tableau, hein, de valeur réelle, où il y a M ligne fois N colonnes contenant des valeurs réelles dans le tableau, dans la matrice, parce que la matrice est un tableau de nombres. Voilà. Donc R est un champ. Si j'utilise l'ensemble des nombres réels, c'est un champ. Et généralement, ici, on va utiliser un champ. C'est sur le champ K, en général, parce que les mathématiques aiment bien généraliser. On ne va pas forcément prendre le champ des réels. On va prendre, il y aura des autres champs, et ce n'est pas forcément des réels. Mais généralement, habituellement, on va jouer avec des réels. Mais c'est pas forcément. On va généraliser par un champ K. Donc on a bien un espace vectoriel sur le champ Km fois n, enfin sur le, on a bien un espace vectoriel Km fois n sur le champ K. Voilà. Et ça, c'est une matrice pour laquelle qui va répondre à des lois de structure algébrique. Déjà, ici, on voit bien qu'on a un champ. K, c'est un champ. Alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est qu'un champ? Attention que c'est champ sans S. Mais le champ, si vous voulez définir un champ, c'est le champ, c'est un corps commutatif. Voilà, c'est un corps commutatif. Ce qui veut dire que j'ai fait une vidéo là-dessus, il faut aller voir la notion de corps commutatif. Qu'est-ce que c'est qu'un corps commutatif? Ouais, mais qui dit parler de corps signifie parler de d'anneau unital. Et qui dit parler d'anneau unital signifie de parler de d'anneau. Voilà. Donc, pour savoir ce que c'est qu'un champ, mais vous devez savoir ce que c'est qu'un corps, puisque un champ est un corps commutatif. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un corps commutatif, mais fatalement, il faudra aller voir la notion d'anneau unital, parce qu'un corps, c'est un anneau unital. Voilà. Et dans l'anneau unital, il faut savoir ce que c'est qu'un anneau. Et tout ça fait partie de ce qu'on appelle les dénominations des, comment est-ce qu'on appelle ça, des structures algébriques pour définir, je veux dire, les ensembles et leurs lois. Et leurs lois sur. Au travers des opérateurs star et les T inverse. Au travers des opérateurs star et T inversé. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est qu'un corps commutatif? Bon, je l'ai défini à tout d'abord, comme je vous ai dit, pour parler de champ, il faut savoir ce que c'est qu'un corps commutatif. Pour savoir ce que c'est qu'un corps commutatif, faut savoir ce que c'est qu'un corps. Voilà, et puis qu'est-ce que c'est qu'un corps? Mais c'est un anneau unital dont tous les éléments, sauf eux, sont symétrisables pour la loi T inverse. Voilà. Donc vous voyez qu'il faut savoir définir les choses. Il faut aller voir les vidéos, hein, parce que moi je ne vais pas redéfinir tout ça. Ici, ce n'est pas le but de la vidéo, de refaire une vidéo sur toutes les vidéos que j'ai fait auparavant. Ici, c'est de voir ce que c'est qu'une matrice unité, mais que la matrice unité, c'est un tableau de valeurs qui fait référence à, si vous voulez, des valeurs qui sont provenant de structures algébriques pour lesquelles je vais faire agir des opérateurs, et notamment si je prends des valeurs entières, 2 plus 2 ça fait 4. Ouais, pour les nombres entiers, c'est pas 2 plus 2 ne fait pas toujours 4, ça dépend de l'ensemble où on est. Fatalement, on peut faire des classes de modules, enfin des classes de modulo, voilà, des ensembles pour lesquels 2 plus 2 ne fera pas 4. Hein, si vous prenez les nombres binaires, 1 plus 1, ça fait pas 2. 1 plus 1, ça fait 1, avec un report de 1. Donc vous voyez que on ne peut pas dire que 2 plus 2 fait 4. 2 plus 2 fait 4 dans certains ensembles. Dans certains ensembles, 2 plus 2 fait 4. Alors maintenant, ce que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi j'ai pas. Oui, parce qu'en fait, justement, si vous faites 2 fois 2, ça fait 4. Pour les nombres entiers. Voilà, pour les nombres entiers, 2 fois 2, ça fait 4. Mais pour les opérateurs sur les matrices, A fois B n'est pas toujours possible. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que A fois B n'est pas possible. Alors que pour les nombres, vous pouvez multiplier n'importe quel nombre, dans les réels ou dans Z ou peu importe, dans R, vous multipliez deux nombres, vous avez un résultat. Voilà, soit vous avez 0, soit vous avez un nombre différent de 0. Mais dans les matrices, c'est pas toujours possible de faire A fois B, c'est pas toujours possible. Voilà. Alors, déjà, il existe une condition dans les multiplications.
quand vous multipliez les deux matrices, ben, si je fais A fois B, ben, là j'ai M, N. Pour que ce soit possible, je dois avoir du NP pour avoir une, voilà, une matrice C qui vaut M, MN. MP. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la multiplication matricielle n'est possible déjà que si la matrice A contient n lignes et que la matrice B contient. Je m'excuse, hein, si la matrice A contient n colonnes, parce que ce sont les lignes et les colonnes ici. Hein, voilà, ligne, colonne, ligne, colonne. Voilà. Si la matrice A contient n colonnes et la matrice B contient n lignes, là c'est possible. Voilà. Donc la multiplication matricielle ne se fera, n'existera, A fois B n'existera que si on a la condition suivante que je vous ai donnée. Et le résultat va vous donner m fois p, une m fois p. Il va vous donner une m fois p. Ce qui veut dire quoi? C'est simple à comprendre. Dans les structures algébriques, comme la multiplication n'est pas toujours possible, on n'aura pas forcément une loi de composition. La multiplication matricielle n'est ni une loi de composition interne, ni une loi de composition externe. Vous voyez bien que je ne sais pas toujours faire la multiplication. Donc A fois B n'est pas toujours possible. A fois B ne sera possible que dans la condition que je vous ai donnée. Alors, maintenant, supposons que A fois B est possible. Allez, supposons qu'on sache multiplier, d'après les conditions que je vous ai données ici, M, N, N, P, qui va donner un C. C'est possible. Supposons que l'opération-là soit possible pour deux matrices. Voilà, on a la possibilité de les multiplier puisque en fait elles répondent aux conditions. Voilà. Maintenant, dans cette structure algébrique, c'est de savoir si B fois A est possible. Si B fois A est possible. Voilà, on va prendre un exemple. Je prends un exemple et on va calculer ça tout de suite et voir si dans la structure algébrique A fois B, B fois A est possible. On va essayer un exemple. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 2. Voilà. On va faire la multiplication. 1 fois 2, 2. 4 fois 2, 8. Ça fait 10. Ici, on a 10. 1 fois 3, 3. 2 fois 5, 10. Ça fait 13. 2 fois 3, 6. 4 fois 2, 8. Ça fait 14. 3 fois 3, 9. Ça fait 19. 5 fois 2, 10. Et 3 fois 3, 9. Ça fait 19. Bon, maintenant, je vais réessayer. Ça, c'est A. Et là, c'est fois... j'ai fait A fois B. Maintenant, je vais essayer B fois A. Donc, je vais mettre 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 2. Alors, 1 fois 2, 2. 1 fois 2, 1 fois 2, 2. 3 fois 3, 9, ça fait 10. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4. 3 fois 2, 6. Ça fait 10. 1 fois 4, 4. 3 fois 5, 15. Ce qui fait 19. 2 fois 4, 8. 5 fois 2, 10. Ce qui fait 18. Et vous voyez que... vous voyez, qu'est-ce que vous constatez? Que A fois B est possible, que B fois A est possible. Pourquoi A fois B est possible et B fois A est possible? Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Mais avant ça, vous voyez que A fois B est possible, B fois A est possible, mais qu'on n'a pas les mêmes matrices. On a ici une matrice C, là une matrice D. Ce n'est pas les mêmes matrices. J'ai bien fait mon calcul, hein. 1 fois 2, 2, 4 fois 2, 8, 8 plus 2, ça fait bien 10. 1 fois 3, 3, 5 fois 2, 10. 3 plus 10, 13, alors que là ça fait 2 fois 2, 4, 3, 2 fois 3, 6, 4 plus 6, ça fait 10. Donc vous voyez que là j'ai A fois B, B fois A qui n'est pas le même. Bon, maintenant, quand est-ce qu'on a la possibilité de faire A fois B, B fois A dans la structure algébrique? Des matrices bien sûr. Eh bien, on va dire qu'on a quoi? A fois B, c'est on a A fois B. Pour que ce soit possible, il faut qu'on ait N, N comme ceci. Voilà, et là je dois avoir par exemple M et P. Là à ce moment-là j'ai une matrice C qui vaudra
MP. Voilà. Alors pour que MP, voilà, MP. Alors pour que ce soit possible dans le sens B fois A, mais pour que avoir B fois A, il faudrait que j'ai là le M égale P. Parce que je vais avoir ceci, regardez, B fois A, pour que ce soit possible, si je marque A, c'était MN, hein, MN, attention, il faut qu'on voit au tableau, ok, là j'ai MN, et là B c'est NP. Voilà. Déjà, on voit bien qu'ici, on va avoir N fois N. Donc, le C sera une n fois n. Ouais, pourquoi? Pour que ce, parce que, en fait, là, j'avais mn. Pour que ce soit possible déjà comme ça, il faut que j'ai, quand je vais inverser b fois a, mais ça va donner en résultat une n fois n. Donc, pour que ce soit possible, il faut que j'ai nn ici. Voilà. Mais pour que ce soit plus possible de multiplier b et a, il faut que p égale m. Donc, je vais avoir mm. Voilà. Je vais avoir NM, MN. Bon, ben maintenant, voyons voir ici. Comme je dois avoir une matrice carrée ici, une matrice carrée, ça veut dire que NN, ici, il faut que le M et P soient les mêmes, qui valent N. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que M égale N. Donc, je dois avoir une matrice carrée N fois N. Alors, si vous avez une matrice carrée comme ceci, n fois une n fois n, ça va donner une n fois n. Et là, à ce moment-là, on sait faire b fois a est possible, mais a fois b ne fera forcément pas, ne sera pas forcément égal à b fois a. Je vais vous faire le calcul maintenant. Bon, a fois b, pour que ce soit possible, il faut qu'on ait déjà le même. Pour que ce, si je résume la situation, je vais résumer la situation. A fois B n'est possible que si on a là, voilà. Il faut qu'on, pour pouvoir multiplier des matrices, il faut déjà que A possède n lignes, n colonnes et B n lignes. Voilà. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, pour que A fois B et B fois A soient possibles, là, à ce moment-là, il faut que j'ai des matrices carrées. Oui, les conditions que je donne dans les structures algébriques, donner de telles conditions, ça fait, c'est étrange, hein. Maintenant, si je sais faire a fois b et b fois a, c'est pas dit que a fois b est égal à b fois a. On peut avoir a fois b qui soit égal à b fois a, mais il se peut aussi que a fois b soit différent de b fois a. Donc on n'a pas forcément, parce que c'est pas parce que c'est la multiplication est possible a fois b et b fois a que vous aurez a fois b égale b fois a. Voilà. Donc vous voyez que c'est une structure algébrique un peu spécifique, les matrices, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Mais c'est que, je veux dire, la structure algébrique K m fois p, l'espace vectoriel K m fois p, ben c'est une structure qui est, je veux dire, qui n'est pas une loi de composition ni interne ni externe. Alors, donc, comme je l'ai dit, si A fois B est possible, B fois A ne l'est pas. Elle est possible. Pourquoi? Parce que j'ai rendu deux matrices carrées, la multiplication de deux matrices carrées. Donc, là, j'ai rendu possible la multiplication. Donc, mais si vous êtes dans les matrices carrées, A fois B est possible. B fois A est possible, mais vous n'êtes plus dans Km fois P, mais dans Kn fois N. Ce n'est pas la même structure, parce que là, on a dit que A fois B était possible, mais B fois A, non. Par contre, là, A fois B était possible, et là, B fois A était possible, mais ce n'est pas dit qu'il y avait une égalité, ce n'est pas dit. Hein. Bon, ça peut être égal comme ça peut être différent. Voilà. Et ça, c'est dans la structure N fois N. Voilà. Vous voyez que on n'est pas dans les mêmes structures, dans les mêmes espaces vectoriels. Voilà, donc maintenant, dans la structure de l'associativité, ça c'est ce que je parle ici, c'est la commutativité, hein, n'est pas forcément A fois B, B fois A, c'est ce qu'on appelle la commutativité. Maintenant, dans l'associativité,
Si on a A fois B qui est possible, et si vous voulez, B fois C qui est possible, à ce moment-là, on aura l'associativité A fois B fois C, voilà, qui est possible. On aura donc A fois B fois C, on aura ça, on aura l'associativité. Voilà. Donc, si A fois B et B fois C sont possibles, on aura A fois B, on peut faire A fois B, hein, qui est possible, fois C, voilà. Et on peut faire B fois C, qui est possible aussi, fois A. Pourquoi? Parce que ça répond au critère de, au critère, je veux dire, de ligne de possibilité de multiplication. Si A fois B est multipliable, ça veut dire qu'il là, quelque part, ils partagent l'un en n colonnes et l'autre n lignes, voilà, en commun. Donc, ce qui veut dire que lui, il a b fois c possible, c'est pas parce qu'il partage quelque chose en commun. Voilà, p, par exemple, p, p, p ligne, enfin, p colonne pour la b et p ligne pour la a. Voilà. Mais en fait, pour avoir ceci, il faut qu'on ait n partout. N colonne ici et n ligne là. C'est-à-dire que, bon, quelque part, ça sera valable pour les matrices carrées. N, 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 n. À ce moment-là, on aura l'associativité quand on aura du n, n. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la loi de composition K m fois p n'est pas la même que la loi de composition K n fois n. Donc là, ce n'est pas une loi de composition ni interne, ni une loi de composition externe. Par contre, là, c'est une loi de composition. On a une loi de composition interne ici pour Kn fois n. Alors là, je viens de vous montrer ici que l'associativité est possible. Mais on a la non-commutativité. Voilà, l'associativité, on l'aura, mais on a la non-commutativité. Alors maintenant, ça c'est pour parler des matrices, mais maintenant venons-en à notre matrice unité. Mais notre matrice unité n'est rien d'autre que d'une matrice spécifique. Mais la matrice unité n'existera pas dans. Là, on n'a pas de loi de composition ni interne ni externe. Elle n'existera pas cette matrice unité ici. On n'aura pas de matrice unité ici. On n'aura qu'une matrice unité que dans ce cas-ci. Là, on aura une matrice unité dans Kn fois n. Ce qui veut dire que la matrice unité sera une structure, si vous voulez, d'un espace vectoriel de Kn fois n. Alors, maintenant, donc on a une matrice Kn fois n, c'est-à-dire une 2 fois 2, une 3 fois 3, une 4 fois 4, une 5 fois 5, une 6 fois 6, une 7 fois 7, on aura toujours la matrice unité. Alors, la matrice unité, elle va répondre, si vous voulez, à la définition suivante, à II, ou si vous voulez, je peux marquer aussi AIJ, c'est pas un problème. Hein. Alors à ce moment-là, je marque I égale J. Là, c'est comme si j'avais AII. AII égale 0. Et là, AIJ égale 1. Je m'excuse. Égale 1 parce que c'est une matrice unité. Et AIJ égale 0. Voilà. Et là, c'est AIJ égale 1 pour I égale J. AIJ égale 0 pour I différent de J. Voilà. Et là, AIJ, bien sûr, I différent de J. Voilà, I est différent de J. Bon, ces deux définitions les mêmes. Bon, hein, ce qui veut dire que chaque élément de la diagonale vaut 1 et tout autre élément qui n'est pas de la diagonale vaut 0. Bon, si je prends une 2, 2, la matrice unité fera 1, 0, 0, 1. Si je prends une 3, 3, la matrice unité fera, voilà, ceci. Voilà. Et si je prends une 4, 4 et ainsi de suite. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 voilà une 4 4 voilà. Ouais. Donc ici
Voilà. Il y a un ralentissement de ma caméra, je ne sais pas pourquoi. Elle sature. Voilà, donc ici je vous ai montré trois matrices unités qu'on appelle généralement I. I si j'ai ici une 2-2, là I si j'ai une I ronde bien sûr, là si j'ai une 3-3, et là I si j'ai une 4-4. Voilà, I ronde. Et puis je peux faire pour une 5-5, une 6-6, une 7-7, une 8-8. Donc vous voyez que I fait partie de la structure. K n fois n structure, voilà, c'est une structure algébrique K n fois n. Donc le i n'existera pas pour K m p, K m fois p. Voilà. Bon, mais cette matrice unité est fondamentale dans le cas pour les inverses. Bon, il faut savoir que I fois A, mais ça fait A. Et que A fois I, mais ça fait A aussi. Puisque c'est une matrice unité. Matrice unité, ça veut dire que vous allez la multiplier par n'importe quelle matrice, mais I fois A, ça fait A. A fois I, on va dire qu'il jouera le rôle de neutre pour la multiplication matricielle. Une fois 1, une fois I fois la matrice A fait la matrice A. A fois la matrice A fait A, puisque A est neutre. Maintenant, si je fais I fois I, ça fait I. Si je fais I fois I fois I, ça fera toujours I. Donc ce qui veut dire que I exposant 4 me fera I. Je peux essayer ça. On va essayer. J'ai 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Bien oui. 1 fois 1, 1. 0 fois 0, j'ai 1. Là, 1 fois 0, 0 fois 1, on aura 0. 0 fois 1, 1, 0. Voilà, voilà, on aura toujours ceci. Donc, i exposant n fait i. I exposant n est égal à i. Maintenant, ne pas les confondre avec cette matrice-là. Bon, tout d'abord, regardez bien, je vais calculer le déterminant de la matrice I. Normalement, le déterminant de la matrice I vaudra 1. On va essayer ça. Donc, je prends une 3, 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. On va calculer ce déterminant. Ça qui fait. Je vais le faire par la méthode de Sarrus, hein. Donc il suffit de recopier les deux premières colonnes. Voilà, somme des produits descendants moins la somme des produits montants. Les produits descendants, 1 fois 1 fois 1, ce qui fait 1. 0 fois 0 fois 0 plus 0. 0 fois 0 fois 0, ça fait 0 plus 0. Voilà, et je vais soustraire les produits montants. 0 fois 1 fois 0, ce qui fait 0. 0 fois 0 fois 1, ce qui fait 0. Et 1 fois 0 fois 0, ce qui fait 0, ce qui fait au total 1. Donc vous voyez, et ça c'est valable pour n'importe quelle matrice de type n fois n, hein. C'est valable pour une 5-5, le déterminant de ceci. Maintenant, regardez bien que ceci, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, bon, ici,
Si je divise tout par 5, il va rester 1, 0, 0. Voilà, il va rester 0, 5, 0, 0, 0, 5. Là, je multiplie par 5, mais je divise par 5 ici. Je divise toute la ligne ici par 5, il va rester 1. Voilà, et puis après, ça qui fait 5 au carré. Voilà, 5 fois 5, 25. Maintenant, je vais diviser toute la ligne par 5 ici. Ça veut dire que j'aurai 5 au cube ici, mais j'aurai 1 ici. Ce qui veut dire que j'aurai là, ce que je vais décrire là, c'est comme si j'avais marqué 125 fois 1, ce qui fait 125. Et je vais vous le prouver par sa ruse, que ça fait bien 125. On va mettre 5, 0, 0, 0, 5, 0. 5 fois 5, 25 fois 5, 125. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin parce qu'avec les définitions des matrices, ça revient à la multiplication matricielle revient à multiplier tous des éléments entre eux qui sont tous différents. Et il n'y a qu'un seul résultat qui va donner, qui ne sera pas en possession d'un zéro, mais c'est ces trois valeurs-là distinctes. Voilà. À chaque fois que vous allez multiplier des valeurs par des zéros, et fatalement ça va donner 0. Donc, mais je peux faire la suite quand même. Hein. 0 fois 0 fois 0, ce qui fait 0. Hein, je fais plus 0. 0 fois 0 fois 0, ça fait plus 0. Moins la somme des produits montants. 0 fois 5 fois 0, ça fait 0. 0 fois 0 fois 0 fois 5, ça fait 0. Et 5 fois 0 fois 0, ça fait 0. Vous voyez qu'il y a des 0 partout, sauf là, pour celui-là. Notamment, la multiplication matricielle revient à multiplier lui, lui et lui. Et puis, quand on fait ceci, c'est comme si on avait fait lui, lui et lui. C'est-à-dire, c'est des lignes et des colonnes différentes. Hein. On multiplie des lignes et des colonnes différentes. Voilà. Puis, si je prends celui-là, ce sera 0. On fait 0 fois 0 fois 0, c'est 0 fois 0 fois le 0 là. Fois le 0 là. Donc on multiplie voilà, les éléments ensemble avec des plus et des moins, parce que je vous expliquerai la raison du plus et du moins dans les calculs de somme, pourquoi on a des plus et des moins dans les matrices. Ça viendra, je veux dire. Vous comprendrez vite, voilà, voilà pourquoi on a des plus et des moins, mais ici, dans la méthode de Sarrus, il n'y a pas de se poser les questions d'où viennent les plus et les moins. Vous faites la somme des produits descendants, enfin la somme des produits montants, et voilà, vous n'avez pas à calculer la manière classique, je veux dire, enfin ça c'est une manière classe habituelle, utilisée, facile à faire, mais si on veut répondre à la définition des déterminants, là, c'est une manière classique que je dirais. Et là, à ce moment-là, il faut faire attention, je veux dire, à multiplier certaines choses. Et il y a des plus et des moins qui interviennent en fonction d'une certaine raison. Voilà. Parce qu'il faut tenir compte des mineurs. Des mineurs, je vous expliquerai à ce moment-là ce que c'est. Bon, maintenant, je l'ai fait par sa ruse, donc il n'y a pas à tenir compte. Donc ça fait bien 125. Donc ceci, c'est bien 5 au cube fois la matrice, fois le déterminant de la matrice unité. 5 au cube fois, ouais, si je calcule le déterminant de ceci, hein, le déterminant de ceci, ouais, ben, de toute façon, ça c'est déjà déterminant. Les deux barres là veut dire, signifie déjà déterminant. Sinon, si j'avais fait ça, c'est matrice. Hein, ça c'est matrice, matrice, et ça c'est déterminant. Donc là, c'est bien 5 au cube fois le déterminant de la matrice I. Donc, quelque part, derrière ça, je veux dire par là, se cache une matrice unité. Hein. Il y a une matrice unité qui se cache derrière ça. Alors maintenant, voyons voir ceci. Supposons que quelqu'un se trompe et se dit, ben, ouais, mais la matrice unité, je prends une 3 fois 3. Hein. Ouais, la matrice unité, c'est ça. Parce que c'est unité, je mets des unités partout. Voilà. Là, le déterminant de ça, il vaut 0. Hein, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a trois lignes identiques. On a trois colonnes et trois lignes identiques. Des moments dans les matrices, des moments où vous avez deux lignes identiques ou deux colonnes identiques, ou deux lignes proportionnelles ou deux colonnes proportionnelles, fatalement, le déterminant est nul. Voilà, et ici c'est le cas. Et je peux vous-même vous le prouver, mais en faisant la différence, par exemple, la colonne 1, là on a colonne 2. Je vais jouer avec les colonnes, pas avec les lignes, parce que j'aurais pu le faire avec les lignes, ligne 1, ligne 2, 3. Eh bien, je vais faire la colonne 1 va devenir. La colonne 2 moins la colonne 1. Ce qui veut dire que je vais faire 1 moins 1, ce qui fait 0, 1 moins 1, ce qui fait 0, 1 moins 1, ça veut dire. Bon,
Voilà, c'est une manière simple d'expliquer parce que je peux dire que c'est la colonne 2 soustraite à la colonne 1 de la ligne 1 qui va donner voilà, le résultat nul. C'est la colonne 2 moins la colonne 1 de la ligne 2 qui va donner en la colonne 1, je veux dire, la valeur 0 parce que 1 moins 1 fait 0 et ainsi de suite. Bon, c'est plus facile de dire bon, 1 moins 1 ça fait 0, 1 moins 1 ça fait 0, 1 moins 1 ça fait 0. Pourquoi? Parce qu'on fait les valeurs de la colonne 2 moins les valeurs de la colonne 1, mais pour la ligne, bien sûr, la ligne indiquée. Hein, si vous êtes en ligne 1, ben, c'est colonne 2 moins colonne 1. En ligne 2 sera colonne 2 moins colonne 1. Ligne 3 sera colonne 2 moins colonne 1 et remettre le résultat dans la colonne, dans la ligne où vous êtes. Voilà. Alors les autres ne bougent pas. Ce qui veut dire qu'ici, ben, c'est simple, je vois une ligne de 0. Donc quand une matrice, la matrice d'un déterminant qui contient une ligne ou une ligne ou une colonne remplie de 0, ben, le déterminant il est nul. Donc ici, le déterminant de cette matrice-là, elle est nulle. Elle est nulle. Donc ce n'est pas la matrice unité, puisque la matrice unité, son déterminant vaut 1. Son déterminant vaut 1. Alors maintenant, dernière chose, avant de terminer ces deux choses encore à vous expliquer, c'est que Km, quand on écrit ceci Km fois n, c'est quoi? C'est une matrice de genre m fois n. Elle n'est pas d'ordre, elle n'est pas carrée. Hein, parce que si elle était carrée, j'aurais dit n fois n. Alors, Km fois n, en fait, on a un espace vectoriel. Et les espaces vectoriels, généralement, ils ont une dimension. Et la dimension. Sur le champ K, le K, ben il suffit de faire de Km fois n, je m'excuse, dimension sur le champ K de l'espace vectoriel Km fois n, ben il suffit de multiplier Km fois n. Pourquoi? Parce qu'il contient K, il contient m fois n éléments. Voilà. On dira même qu'il a m fois n degrés de liberté. Bon. Alors maintenant, un espace vectoriel, bon, généralement, dans cet espace vectoriel, il va être engendré par une base canonique. Voilà. Une base canonique qui va engendrer toutes les, qui peut engendrer. Une base, je verrai à ce moment-là, quand je verrai les espaces vectoriels, c'est une partie libre et génératrice. Donc ça, je verrai à ce moment-là. Mais sachez que si je prends par exemple K2, 3, K2, 3, donc c'est un espace vectoriel sur le champ K. Bon, je peux prendre LK égale R, hein, le champ des réels, mais qu'elle contient deux lignes et trois colonnes. Eh bien, elle a une base canonique contenant, si vous voulez, six bases. Elle a une base canonique décomposable en six matrices. Parce que j'aurai 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. 0, ah, ici je me suis trompé. Voilà, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ah, ici je suis en 2, 3. Je m'excuse, je me suis trompé. 2 fois 3. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. J'aurai 6, 2 fois 3, 6 bases canoniques. Donc ici, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 1, voilà, qui va engendrer n'importe quelle valeur, n'importe quelle matrice de 4, 2 fois 3 sera, je veux dire, générée à partir de cette base-là. Je rappelle qu'une base, c'est une partie libre et génératrice. Et ça, je montrerai ça à ce moment-là parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Et donc là, tout ça pour vous dire que ça, c'est une base. C'est une base canonique où le déterminant de la base vaut 0 parce que vous voyez que vous avez une ligne. Chaque fois une colonne de 0, et je dirais même des lignes de 0. Donc le déterminant de ça, il vaut 0, 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 le déterminant de ça, il vaut 0. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas des matrices unités. Ne pas confondre les bases canoniques. Enfin, une base, c'est une base canonique, canonique. Pas confondre les bases canoniques d'une matrice remplie de 1 et de la matrice unité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc la matrice unité, déjà, c'est une matrice d'ordre n, c'est-à-dire c'est une matrice carrée. Et la matrice carrée, c'est il y a que des diagonales. Sur la diagonale, il n'y a que des 1, et partout, il y a des 0. Par contre, ici, on a des 0 partout, et un 1 qui se trimballe un peu n'importe où. Il n'y a qu'un seul 1. Voilà. Et une matrice remplie de 1 n'est pas une matrice unité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, maintenant,
toute dernière chose avant de terminer cette vidéo. Je vais regarder l'inversibilité de A et déterminant de A. Donc, inversibilité de la matrice A et de déterminant de A en fonction, vous l'aurez compris, de la matrice unité I. Alors, dire que A est inversible, et ce n'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours les inversions. Bon, si vous prenez 50 matrices, vous allez en trouver très peu qui sont par rapport aux 50, qui sont, si vous les multipliez entre elles, 50 matrices, ben, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont non inversibles par rapport à d'autres qui sont inversibles. Donc l'inversibilité n'a pas toujours lieu. N'a pas toujours lieu. Donc si vous faites A, si je prends, comment est-ce qu'on appelle ça, si A est inversible, si A est inversible, alors le déterminant de A devra être différent de 0. Déterminant de A devra être différent de 0. D'où, si je prends par exemple, je prends le déterminant de A fois B. Donc le déterminant de A fois B est égal à déterminant de I qui est égal à 1. Non, je m'excuse. Ici, c'est l'inversible. C'est l'inversible. Si A, j'ai pris une matrice A qui est inversible. Ça veut dire que B, c'est son inverse. Si je prends déterminant de A fois son inverse, qui est B, logiquement, je dois trouver le déterminant de la matrice I. Oui, et déterminant de la matrice I qui vaut bien 1. Déterminant, oui, donc je ne raconte pas de bêtises. Voilà, c'est juste ce que je racontais. Ouais, déterminant de I vaut 1. Mais on sait bien que d'après les propriétés des déterminants, le produit, les déterminants d'un produit, c'est égal au déterminant de chacune des valeurs. Voilà, déterminant de A fois déterminant de B, voilà, qui est égal au déterminant de I. Déterminant de I. Alors, déterminant de I, il vaut 1. Donc, ce qui veut dire que déterminant de A vaut 1 sur le déterminant de B. Ou, voilà, voilà, 1 sur le déterminant de B. Ce qui veut dire que le déterminant, ça, c'est l'inverse du déterminant de... comme B, c'est l'inverse de A. Comme B est l'inverse de A, là, je peux dire que le déterminant de l'inverse de A est égal à, au déterminant de A inversé. Déterminant de A inversé. Ça, c'est le déterminant de A inversé. Voilà, déterminant de A inversé. Et ça, c'est le déterminant de la matrice inverse, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. C'est le déterminant de A moins 1 est égal au déterminant de A moins 1. Voilà, et ça, c'est si la matrice est inversible. Je vous rappelle que le déterminant de A est différent de 0, hein. Déterminant de A est différent de 0, sinon il ne serait pas inversible. Sinon on ne saurait pas faire ça. Bon, maintenant, un cas de figure de ça, c'est ceci. Supposons que vous avez un système d'équations qui sont fort utilisés dans les. Comment ça, en algèbre linéaire, les systèmes d'équations, mais aussi, je veux dire, en géométrie analytique dans l'espace, voire même dans le plan. Voilà, c'est fort utilisé par là. Donc si, ici, on a un, si on a un système d'équations à x égale b, voilà. Où A, c'est la matrice complète, que je vais appeler Mn. Là, j'ai N1. X, c'est la matrice des indéterminés. Hein. Si j'ai, je peux avoir
trois équations à deux inconnues. À ce moment-là, j'aurais les deux inconnues, c'est x, y. J'aurais trois lignes et là, on aurait deux lignes. Deux lignes, puisqu'il y aurait deux x, y. Maintenant, si c'est quatre équations à trois inconnues, ben, j'aurais m qui vaut 4, n qui vaut 3. N, le grand X, ce serait x, y, z. Bon, mais maintenant, quand vous n'avez plus d'appellation pour x, y, z, vous faites quoi? Mais si vous avez 10 inconnus, vous n'allez pas appeler ça x, y, z, t, u, v, w. Vous allez appeler ça x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, voilà, et x10. Voilà. D'où la matrice X, qui sont les indéterminés. On aura une matrice qui fera ceci. X1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9. Voilà, voilà, s'il y a 9 inconnus, ben voilà la matrice, elle est de 9, 1. 9 lignes et une colonne. Voilà la matrice des indéterminés. Bon, et ça, c'est la matrice des coefficients. Et ça, c'est les termes indépendants. Vous aurez compris qu'on aura une matrice qui vaudra. C'est possible de faire la multiplication matricielle parce qu'il y a n et n. Et là, on aura une m1. Une m1. Voilà, ax. Alors, pour résoudre un tel système, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ben, vous comprendrez que ax égale b, mais il faudra aller chercher a moins 1 fois a fois x est égal à a moins 1 fois b. Et a moins 1 fois a, ben c'est i fois x. A moins 1 fois b, ben le x ce sera i fois x, ben ça fait x. X vaudra a moins 1 fois b. A moins 1 fois b. Voilà, le x vaudra a moins 1 fois b. Donc, si vous voulez trouver les solutions, ben, il faudra rechercher la matrice inverse de A, la matrice inverse de A, la multiplier par la matrice des termes indépendants. Et là, vous allez avoir. Donc, il faut aller chercher la matrice inverse de A. Voilà. Et multiplier par le B, et là, vous allez avoir les inconnus qui seront trouvés. Bon, maintenant, ça, vous aurez compris que c'est possible que si A est inversible, hein, si A n'est pas inversible, à ce moment-là, vous ne saurez pas faire ceci. Bon, et l'inversibilité fait en sorte que le déterminant de A doit être différent de 0, puisque je viens de le voir maintenant. Déterminant de... voilà. Pour avoir l'inversibilité de A, et donc fatalement du déterminant de A, mais il faut que la matrice déterminant de A doit être différent de 0. Le déterminant de A doit être différent de 0 pour que ce soit inversible et qu'on puisse trouver, je veux dire, des solutions. Voilà, donc ici, qu'est-ce que c'est que la matrice unité? Ben, elle va être fort utilisée, et cette matrice unité-là, ben, elle va servir, je veux dire, pour calculer pour, je veux dire, intervenir dans le cas de recherche de certains calculs. Dans certains calculs, elle va intervenir. Voilà. Donc, c'est ça la matrice unité. La matrice unité, il en existe toute une panoplie. Elle est de n fois n. C'est une structure d'un espace vectoriel Kn fois n et non pas Km fois p. Hein. Donc, la structure. Et il y en a plusieurs. Plusieurs, pour autant que vous mettez en diagonale, je veux dire. Les 1. Et tout le restant, c'est des 0. Voilà. Et je peux continuer comme ça. Bon, voilà, ça, c'est la matrice unité. À ne pas confondre avec une matrice remplie de 1. Ne pas confondre avec une matrice qui est une base canonique avec un 1 ici et des 0 partout. Bon, c'est pas la même chose. Voilà, matrice unité, c'est ça. Je vous remercie.